Fini Manga place à Tenkodogo qui abrite en 2019 les festivités du 11 décembre. Tirant les leçons des commémorations passées, le gouvernement a déjà engagé les préparatifs dans le centre-est. Ainsi, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est rendu à Tenkodogo pour évoquer avec les autorités la construction d'infrastructures comme les logements sociaux, la salle polyvalente ou l'aérodrome. Maurice Dieudonné Bonané a rencontré les responsables des travaux et les populations affectées par les différents chantiers. Reportage Aimé Douamba. Le 11 décembre 2019, un 11 décembre aux grandes ambitions pour le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le ministre Dieudonné Bonané, en visite à Tenkodogo pour une vue d'ensemble sur les sites dédiés aux infrastructures dans le cadre des festivités. Une visite qui vise à créer une nouvelle dynamique dans la réalisation des équipements structurants au profit des collectivités territoriales. À Tenkodogo, nous allons innover. Mais nous n'oublions pas les autres chefs-lieux de province qui constituent la région. Et dans certaines communes à forte potentialité économique, il va falloir développer le génie, comme on le dit, le génie créateur, pour voir quelles sont les infrastructures dont nous avons besoin. Parce que comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas mécaniquement qu'il faut tout réaliser dans une ville. On réalise les infrastructures dont une ville a besoin. Cette initiative a pour objectif d'anticiper de manière à ce que nous nous donnions toutes les chances de terminer les investissements à bonne date. Et pour atteindre ces objectifs, des préalables s'imposent. Parti à la rencontre des occupants du site de l'aérodrome, le ministre joue la carte d'apaisement face à une population visiblement mécontente. Nous avons échangé avec les populations locales qui doivent être déguerpies. Les problèmes de recasement de ces populations se posent. Nous avons tenu à apaiser les populations. C'est ensemble que nous allons trouver des solutions. Une visite chez le chef de Tenkodogo clôture cette sortie terrain où l'étape de départ des travaux est annoncée pour janvier 2019.